Elle l'a annoncé à travers une interview donnée à nos confrères du Figaro, Valérie Pécresse est candidate à la présidence de la République, une candidature focalisée sur une volonté, restaurer la fierté française. Je ne supporte plus qu'on parle au lieu d'agir. Nous devons rompre avec dix ans de mauvais choix, de demi-mesures, d'indécision et en fin de compte l'affaissement de notre pays. Je veux faire plutôt que de chercher à plaire. À la tête de son mouvement baptisé Libre depuis son départ des Républicains en juin 2019, la présidente du Conseil régional d'Île-de-France venait de lancer un second mandat à la tête de la région francilienne. Après avoir obtenu près de 46% des suffrages au second tour des élections régionales, largement devant l'Union de la gauche à plus de 33%, lors du Conseil d'installation, elle parlait déjà de sa vision de la France. J'appelle à une France nouvelle. Irriguée par ses territoires, oxygénée par ses provinces, une France vraiment décentralisée et libérée. Une France où l'État assurerait puissamment ses responsabilités régaliennes, car la sécurité, pardon de le dire, c'est une tautologie, c'est d'abord l'État. Et où il délèguerait aux communes, départements et régions le soin de faire vivre la France près de chez soi. Une certaine vision de ce qui pourrait être l'esprit de son programme. À 54 ans, Valérie Pécresse est à la tête de l'exécutif régional depuis 2015. Suite à sa victoire au régional, elle démissionne de son siège de députée de la deuxième circonscription des Yvelines en 2016. Un mandat exercé depuis 2002. Durant le quinquennat de Nicolas Sarkozy, elle a occupé plusieurs fonctions gouvernementales. D'abord ministre de l'Enseignement supérieur en portant la réforme de l'autonomie des universités, puis ministre du Budget et porte-parole du gouvernement. L'autonomie, c'est plus de liberté pour les universités de faire des innovations pédagogiques, de nouer des partenariats, y compris avec les entreprises, pour la réussite des élèves. Mais c'est surtout une culture du résultat et de la performance. Nous financerons les universités autonomes en fonction euh, de, de, de la réussite de leurs élèves, en fonction de leurs débouchés professionnels. Avec un parcours politique local et national, elle veut devenir la première femme présidente de la République en passant par la primaire. Je me présenterai en femme libre, mais nous avons un devoir d'unité et de jouer collectif, car il faut un seul candidat de l'Alliance de la droite et du centre pour l'alternance. Je n'ai pas peur de la primaire, je ferai tout pour gagner et rassembler. Pour le moment, Valérie Pécresse est la seule candidate officiellement déclarée à ses primaires. De son côté, Xavier Bertrand a annoncé ne pas vouloir y participer.